Bonjour tout le monde, c'est Benoît pour l'épisode. Oh merde, j'ai manqué mon coup quoi. On se parle, je vais recommencer. Bonjour tout le monde, c'est Mad Bob pour l'épisode. Merde, ça fonctionne pas trop comme truc quand même. Bon, ben tout simplement, on est rendu à l'épisode 11. J'allais dire 10, mais on est rendu à l'épisode 11. Et pour commencer directement, déjà à l'intérieur du niveau, on va être tout de suite dans le Pinta Village. Donc, c'est le chien Chambat. Le chien Chambat. Sérieusement, ça se dit trop bien en français. Je verrais bien les Anglais parler français. Avec un accent anglais. Mais là, je peux pas vous le faire parce que j'ai pas trop d'accent anglais. Bof, bof, bof. Et comme vous voyez, je suis à 0 vie. Tout simplement parce que j'ai pas de vie. Le mec fait des let's play, a pas de vie. Lol, il est trop rigolo quand même. Mad Bob, trop drôle. Bon, ok. C'était pas drôle. Donc, ce niveau, il est tout simple. Faut tout simplement prendre cette chaîne. Le chain-chum, en gros. Hein. Well, they're not a team to like Bathy. Donc il dit qu'il ne semble pas vraiment aimer aller dans le bain. Je trouve que c'est normal, en même temps c'est des chinchums. C'est pas supposé d'aller dans les bains. Là faut l'arroser. Et arrose. Merci. Donc il faut tout simplement... Oh putain, non, arrête d'avancer. Faut tout simplement l'arroser à chaque fois et après le tirer. Donc c'est... Ce niveau quand même, je trouve long et chiant. Non mais... Ok, mais va par là. Quel débile. Et il est débile. Il est vraiment débile. Enfin, est-ce qu'il va avancer par là? Non, il va revenir sur moi. Ah putain! Salope. Je sais où tu te caches. Ok, va par là. Ok, ça me dérange pas. Vas-y, continue. Continue. Continue à avancer. Continue. 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 Si tu tournes à droite, je t'arrose. Non mais. Ah putain! Non mais arrête d'avancer! Arrête d'avancer! Arrête, 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 arrête. Hop. Ok, je l'ai eu. Parfait. Bon, on va tirer. Donc, je sais pas ce que j'expliquais juste avant. Hein. J'ai vraiment des pertes de mémoire, quoi. C'est un truc de fou. Je pense que de plus en plus je fais du let's play, plus en plus que je perds la mémoire. Plus en plus que je viens débile et plus en plus que... C'est débile à me regarder. Je sais pas. Non, peut-être, oui. Non, je suis trop méchant. Ça... Allez, 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 arrose, 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 arrose. Arrose. Ok, prends la chaîne. Vas-y, tire, tire, tire. Vas-y, Mario, tire. J'ai confiance en toi. J'aime bien les Pienta qui sont en train de danser à côté. Mario, tire, vas-y. C'est trop drôle, on doit tirer. Oh, non. Il est trop rigolo, ce Mario. Et là, faut prendre ici. Et voilà. Oh, what? Je suis rentré à l'intérieur. Et j'ai ressorti. Et voilà, donc, le chinchum doré. Et je sais pas si j'ai buggé, je suis rentré à l'intérieur. J'aurais eu peur, hein. S'il y aurait eu un petit glitch, je rentre à l'intérieur. Et par la suite, je reste à tout jamais enfermé. Pour ne plus jamais sortir. Ne se couche pas! Mais bon, ce n'est pas arrivé, je vous rassure. Quand même une bonne chose de faite. Donc je sais pas combien de soleil qu'il nous reste à faire. Je pense que cet épisode sera peut-être un peu plus court que d'habitude. Tout dépendant de la vitesse que je fais les niveaux. Donc il va me rester deux soleils sur la Pinta Village. Donc, ça risque peut-être d'aller hyper rapidement. Peut-être hyper lentement. Je sais pas. Qui sait? Qui sait quoi? Qui sait qui? Donc Secret of the Village in the Side. Et ça, ce niveau... Ce n'est pas un niveau... pour les grandes personnes. Ça n'a aucun sens ce que j'ai ici. Ça n'a tellement aucun sens que je peux pas glisser sur un pas. Bon, mais ça, je veux que ça ait un petit peu de sens. Donc, il faut aller apporter des bananes. Il faut aller chercher les bananes au petit Yoshi. Parce qu'on va avoir besoin du Yoshi. Hein. Yoshi, c'est la vie. Ah, il faut trouver la banane. Donc, on a trouvé la banane. On prend la banane. On court avec la banane. Et on lance la banane. Et bim, bim. J'aimerais bien que dans la vraie vie, les fruits et les légumes fassent un peu pareil. Tu lances la banane et ça passe bim, bim. Comme si rien n'était. Comme si tu lancerais rien. Là, hop. Vas-y. J'embarque sur le Yoshi. Là, sur le Yoshi, je descends en bas. Et exactement ici. Et là, il faut avancer avec le Yoshi. C'est quand même assez simple. Parce qu'on peut vraiment sauter assez loin. Je sais pas si c'est mieux... Est-ce qu'on peut avaler les vies? Arroser les vies, ouais. Ça change strictement rien. Je sais
sais pas c'était quoi le délire que je voulais dire. Hein. Je sais déjà plus. Je sais pas. Je vais juste me ramasser quelques vies. Une et une. Je vais pas me ramasser l'autre. J'ai pas envie de faire le fou. Et hop, voilà. Donc je sais vraiment plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'avec fluide, c'était plus simple. Non, pas ce niveau. Non. J'ai dit non, pas ce niveau. Ce niveau, c'est le cancer. Je vais vraiment dire, mais c'est le niveau cancer, parce que faut tout simplement demander à ces piantas de merde de nous lancer. Mais le problème, c'est que j'ai tout le temps la tendance qui se maintient. Ça n'a aucun sens ce que je dis. J'ai tout le temps la tendance qui se maintient. Sérieusement, ça n'a tellement aucun sens ce que je dis. Ah là là, la tendance qui se maintient. Tendance de quoi? Attends, est-ce qu'on peut monter sur la petite pancarte ici? Attendez, est-ce qu'on peut prendre... On peut pas prendre la vie. Je vais la prendre à chaque fois la vie parce que je sens que sinon on va perdre la vie. Et je pense que je suis vraiment mieux de la prendre à chaque fois. Là, je vais juste tester un truc. Si toi, tu me lances et je touche à rien. Vas-y, je touche à rien. Et ça fonctionne parfaitement. Là, si je me souviens bien, il faut que je prenne le tout petit. Non, putain, j'aurais pas dû toucher à ce putain de joystick. Ok. Là, ce niveau va rager, mais d'une façon phénoménale. Je vais vraiment faire le retest. Je vais toucher à rien, je touche à rien. Et vas-y, lance. Je touche à rien. Parfait. Et par la suite, toi, petit bonhomme, tu me lances et je touche à rien. Ça fonctionne. Toi, petit bonhomme, tu me lances et je touche à rien. Ça fonctionne. Toi, petit bonhomme, tu me prends et tu me lances. Parfait, ça fonctionne. Toi, FDP, tu te rends jusqu'ici et tu me lances. Tu vois, jusqu'à là-bas. Parce que si tu me lances jusqu'à là-bas, ben y'a rien. Et ça sert à rien. Donc là, j'avoue que c'est un peu bête. Hein. C'est dire, ok, tu peux aller à droite ou à gauche. Si tu vas à droite, c'est de la merde. Et si tu vas à gauche, tu vas vers le soleil. Et le soleil, c'est le bien. Donc là, pour voir. Ah, non. Mais je voulais lui parler. Mais je voulais lui parler, je voulais pas sauter comme un triseau. Vous comprenez maintenant pourquoi j'aime pas ce genre de niveau secret qui secrète rien. C'est même pas un agent secret du FBI, non, ça a tellement aucun sens. C'est juste un niveau de merde. Je sais pas. Putain. Je sais pas, Nintendo, en pensait quoi quand on fait ce niveau. Mais j'ai même pas envie d'imaginer le briefing qu'ils se sont fait en ce moment même. En fait, ok, on va faire un niveau, ça va être tellement cool. Tu vas parler au Pienta, ils vont te lancer. Ça va être tellement génial que tout le monde va vouloir jouer à ce jeu. Ça va être tellement bien. Putain. J'en peux plus. Non. J'en peux plus, je vais faire un autre truc. Le Pienta Village, je le laisse de côté pendant un certain temps, juste pour ce niveau de merde, et je vais faire les trucs avec que j'ai dit que j'allais faire plus tard. Parce que là, sérieusement, ça m'a saoulé. Ce niveau, c'est le cancer pas possible. C'est le cancer du... Par-dessus le cancer, c'est le cancer du cancer. Vous voyez un peu le truc ? C'est tellement cancérigène que même le cancer est même pas intéressé de vouloir savoir c'est quoi qui se passe. Truc de fou, quoi. Putain. Donc là, les niveaux, chaque niveau, 7ème épisode de chaque niveau, voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Hein. Ça, en gros, il faut tout simplement courir après ce Mario FDP. C'est un nouveau Mario. Donc en gros, en lui courant après, bah, il faut tout simplement l'arroser. C'est vraiment un truc simple.
Ok, là, la rosée, on a un soleil gratuit. Et je vais essayer de faire un trick shot, Call of Duty. Attention. Et là, sans regarder. Oh, c'est réussi. Alors que j'ai réussi. Donc, on va continuer. Et je suis calme d'avoir laissé cette passepienta. Là, je vais juste voir un truc. Parce que je sais pas s'il y a un 8ème épisode par niveau. À ma connaissance, oui. À ma connaissance, oui. À ma connaissance. À ma connaissance. On va faire quand même les épisodes 8, je crois. Je crois qu'il y a un épisode 8. Oui, il y a un épisode 8. Donc, les... Je pensais qu'il y avait juste des épisodes 7. Bon. Pas si grave, ça va me donner une raison de plus pour faire le Pienta Village tout de suite. Donc, The Red Queens of the Lake. Donc là, on peut prendre le Yoshi, mais je m'en... complètement du Yoshi. Je suis tellement pas intéressé de prendre ce Yoshi que je vais continuer et je vais pouvoir chanter avec des « et ». Vous voyez. Aïe aïe. Non, ça fonctionne pas. Donc en gros, dans ce niveau, il faut tout simplement aller au lac. Et quand on est dans le lac, ben on fait des chocs à pic. Non, c'est pas ça, sérieusement. Je vous ai menti. Là, je sais pas s'il y a une buveuse spéciale. Je pense que si, hein. Je pense qu'il y a une buveuse spéciale. Je me souviens jamais, de toute façon, dans ce niveau. Ok. Ah oui, elle est là-bas. Parfait. C'est ça que je vais aller prendre. Je sais pas pourquoi j'ai changé. Arrête de changer de vue. C'est ça que je vais aller prendre. J'ai dit que c'est ça que je vais aller prendre. Hop. On tourne. Merde. Je pensais que ça allait passer. Attendez. Hop. Là, ça devrait passer. Ouais. On va prendre cette buveuse spéciale. Elle va m'être super utile. Exactement, pour aller... Oh, je suis complètement manqué mon coup. Ok, là, je l'ai vu. Bon, est-ce qu'il y a une pièce rouge? Ouais, il y en a une ici. Hop. Allez la chercher. On se met exactement sous l'ombre. On est sûr de l'avoir. Est-ce qu'il y en a d'autres par là-bas? Je crois pas. Et donc là, il va falloir monter par ici. Et c'est vraiment le côté casse-couille de changer de buveuse. De buveuse. Changer de... Vous comprenez, de fluide. Merde. Parce que quand on change, tout simplement, on peut pas utiliser notre autre. Donc on est vraiment un peu mal pris. Juste pour ça. C'est le seul truc qu'on est hyper mal pris. Là, je sais pas s'il faut monter. Waouh, il y en a une qui arrivait hyper rapidement. Ok, on va prendre toi. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est quoi ce nuage de... Ah. Non mais, laissez-moi tranquille. Merci. Ok, il y a des pièces ici. C'est peut-être parce qu'il faut monter par ici. Ok, semble bien. Ça a strictement rien ce que je fais quand même. Ok, il y a une pièce rouge là. Ah, il y en a une ici. Et là, c'est le fou. Oui, c'est réussi. Et on saute comme ça, on se fait pas de dégâts. Là, la dernière, je crois que je l'ai vu par ici. Elle était exactement... Elle était si je... Ok, je viens d'avoir. Elle était si jolie que je l'aurais bien... Oh oui, c'est réussi. Oh, oui. Ok, vite, vite. Faut esquiver le nuage. Oh, l'esquive du... Ah, merde. Ok, peut-être pas, mais bon, ça n'a pas trop fonctionné. Hein. Ok, il va falloir remonter d'une certaine façon. Hop. Mais là, il faut remonter complètement en haut. Ce niveau qui est totalement extraordinaire. Ce niveau qui est extrêmement intéressant. Hop. Ça fonctionne pas. Ok. C'est bon. Ils me mettent au défi de réussir ce niveau en faisant n'importe quoi. C'est bon. C'est parti. Je vais réussir. Je suis. Putain. Je suis sûr et certain que je vais pas l'avoir. Mais, j'ai quand même
selon des sources sur que... Ah, merde, non! Non, 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 non! Putain, pourquoi il s'est pas agrippé? Mario, t'es vraiment... un... FDP compétition interplanéta. Ok, là on va monter comme ça. Là on va aller sur cette corde. Et sur cette corde, on va changer de corde pour se rendre à cette corde. Et sur cette corde, on va juste sauter et sauter comme... Non, pas comme ça. Pas... Non, pas la tournade non plus. Vas-y, prends la pièce. Ouais! J'ai réussi après 1000 ans. Et là, je vais faire le truc le plus cool de tous les temps. Vous êtes prêts? Bon, attendez, je vais essayer de le faire. Je garantis rien, ok? Attention, c'est parti! Je garantis rien que ça fonctionne pas. Mais bon, il s'est quand même cassé la gueule sur le mur. C'est quand même rigolo. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand Mario se casse la gueule sur le mur. Comme ça, genre, c'est super rigolo. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Attendez, je vais essayer de l'avoir comme ça. Je vais essayer de l'avoir avec le timing. Attendez, je vais essayer de le faire d'ici. Hop, pop, pop. Fonctionne pas. Attendez, dernière fois. En plus, en élan. Ok, non, peut-être pas en élan. Attendez, je vais essayer de le faire. Non, prends pas ça. Prends pas ça. Prends pas ça. Voilà, vas-y. Ok, donc, se lancer comme ça. Vers l'avant. Et on se lance. Oui, celui-ci. Fallait faire quand même avec la classitude. La classitude n'est pas un mot. Mais bon, je vais finir cet épisode ici. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Mais bon, vous allez peut-être pas m'en vouloir. J'espère pas. Hein. J'espère pas. Je pense que j'ai fait 2 soleils dans cet épisode et c'est tout. Non, j'en ai fait 3 au moins. 3, 4, je sais plus. Je sais vraiment plus j'en ai fait combien. Hein. Donc en gros, je vais juste regarder notre petite récolte. Donc il va nous rester 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Avec le hockey, c'est vraiment général, oui, c'est très général. Donc il va nous rester 15 soleils, donc je dirais peut-être facilement 4 épisodes, peut-être 5, avec l'épisode final peut-être, hein, qui sait. Mais bon, ça va tourner autour de ce genre de nombre d'épisodes. C'est tellement aucun sens ce que je dis, hein. Tellement que ça a aucun sens, juste envie de faire « Putain, ramasse-toi ça dans ta gueule et tout aussi, quoi. » Puis après, tellement que je suis cool, je prends des ananas, et les ananas, je les lance en pleine gueule de ce mec. Bim! Dans ta gueule, quoi. Ta gueule. Il a eu l'ananas. Attendez, je vais essayer de prendre le... Attendez, attention. C'est une compétition. Le lancer. Ah merde, il a sauté par-dessus. Ça n'a pas trop fonctionné, celui-là, hein, mais l'ananas... a quand même été en pleine gueule. Je suis quand même fier de voir. Hein. Attendez, on va essayer. Attends, calcul, le lancer. Hop. Ah, dans l'eau. C'était quand même... Ah, il y a disparu en plus. Attendez, juste réessayer là avec la nana. Hein. C'est vrai, ça m'a étonné que je l'ai eu du premier coup. Quoi. Attendez. Hop. Bah, ça n'a pas fonctionné ce coup-ci. On va essayer sur le Toad. Hip. Hop. What? Moi, je l'ai lancé cet ananas. Bref, je vais arrêter de m'amuser avec les fruits et légumes de ce jeu, puisqu'on peut vraiment s'amuser pendant des heures et des heures, comme vous pouvez voir. Donc merci d'avoir écouté cet épisode 11 de Super Mario Sunshine, et j'espère que vous amusez autant que moi à faire un peu n'importe quoi. Et c'est ça qu'est-ce qui est rigolo dans ce jeu, hein, quand même. Donc merci d'avoir écouté, et on se revoit pour le prochain épisode. Salut tout le monde!